S'il vous plaît, expliquez les matchs contre l'Argentine. En français, c'est bon? Ouais, c'était. On a mal commencé le match, on a fait une mauvaise première mi-temps. Ensuite, à la mi-temps, on s'est dit les choses qui n'allaient pas pour revenir avec de meilleures intentions. Donc, pour nous, c'était incroyable de revenir à 4 partout dans un match comme ça avec une très belle salle et un public magnifique. Donc, après les prolongations, c'était un match assez équilibré. Puis on perd au pénalty, félicitations aux Argentins. On est chez les champions du monde, donc bravo à eux et je suis fier de mes coéquipiers. Congratulations, un match nul contre les champions du monde. Bon voyage. Si, merci beaucoup, c'est un honneur pour nous et merci à tous pour le beau spectacle. Merci. Bueno, Mati, ¿qué balance puedes hacer de esta serie de amistosos con Francia? La verdad que positiva, si lo decía a los jugadores en el vestuario, creo que nos hace falta más partidos de esta calidad. Son chicos que están acostumbrados a jugar con rivales sudamericanos, así que bueno, nos hace bien. Francia era un gran rival, aunque a priori no lo conocía mucha gente en Argentina, pero por lo que veníamos estudiando ellos, vienen sacando y dando grandes pasos a nivel europeo, así que muy, muy conforme, la verdad que no perder contra una selección europea, sabiendo que jugamos con una selección local y con chicos bueno, que se fueron incorporando en las últimas semanas.